très heureuse d'avoir reçu le prix de l'engagement sociétal parce que l'intitulé engagement sociétal est quelque chose qui est très important pour moi et qui correspond vraiment aux valeurs du réseau. Le réseau Femmes de Bretagne est basé sur des valeurs d'entraide, de bienveillance et c'est vraiment ce qui transpire à travers tout le réseau, à la fois sur le site internet, à travers les rencontres, à travers les événements qui ont lieu chaque mois entre les femmes de Bretagne. C'est cette entraide-là, cette bienveillance, le fait de se donner des coups de pouce, de s'entraider, de donner son avis sur un logo, sur un nom, de répondre aux études de marché des unes, des autres. Il y a tout ça qui fonctionne sur Femmes de Bretagne et c'est quelque chose qu'on souhaite développer. Et c'est vrai que les femmes sont fières, il y a une vraie fierté, un vrai sentiment d'appartenance, d'identité au réseau Femmes de Bretagne. Et voilà, recevoir ce prix, c'est finalement... leur donner un peu de légitimité, donner de la légitimité au réseau, mais aussi aux femmes membres du réseau. Et on sait que chez les femmes, c'est la légitimité qui est la clé pour oser ensuite créer son entreprise. Avez-vous des projets ? Alors, on a des projets, oui. On vit une croissance qui est folle, une aventure qui est fabuleuse. On est 2000 en un an et on pense qu'on sera certainement 10 000 l'année prochaine. On ouvre au département du 44 à partir du 1er octobre parce qu'on a eu beaucoup de demandes et puis on s'est dit que voilà, les réseaux n'avaient pas de frontières et heureusement, donc on y va. On lance également une application mobile d'ici la fin de l'année, une application qui sera assez géniale et qui permettra aux femmes de vraiment s'entraider de façon encore plus interactive. Et puis on a des demandes pour se dupliquer, pour exister dans d'autres régions, donc on commence à y travailler. Et notre prochain grand événement aura lieu le 23 octobre, ce sera les 1 an de Femmes de Bretagne. Et là on réserve beaucoup de surprises aux femmes pour vraiment les célébrer et leur montrer que voilà, elles ont droit elles aussi de se sentir capables de créer, d'oser et de voir créer même des grandes entreprises, des belles entreprises. Toutes les femmes, allez-y, foncez, c'est vraiment le message qu'on veut leur donner.